Je suis Marc Dupont-Aviche, je suis producteur et fondateur du studio Xylem Animation, qui est un studio qui a été créé il y a une vingtaine d'années, plus connu pour ses séries comme Oggy et les Cafards ou Zig et Charcot, mais qui a fait des longs métrages également d'animation. Et puis moi, en tant que producteur, j'ai aussi produit des films comme Gainsbourg, La Guerre des Boutons et les films de David Holofan. Ce projet est né à un moment, en 2010, à un moment où je voulais rassembler mes expériences de la production en prise de vue réelle et mes expériences de l'animation. Et j'avais envie de faire un film qui associe un peu, en quelque sorte, ces deux expériences de ma vie professionnelle. Et j'avais envie de me servir de ce que je savais faire en animation pour aller sur un sujet plus adulte. Et donc j'ai rencontré Guillaume Laurent à ce moment-là pour un toute autre raison, plus comme scénariste, et m'a parlé de ce roman qu'il avait écrit, dont le sujet m'a un peu intrigué, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et je pense que j'ai vu dans ce roman plusieurs choses. La première, c'est un pari cinématographique qui est presque le comble de mon métier d'animateur, c'est-à-dire l'idée d'animer une main, c'est-à-dire de donner une âme à un personnage qui sur le papier n'en a pas. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de bouche, elle ne parle pas, c'est un personnage normalement inanimé. Et l'idée de susciter l'empathie du spectateur pour un personnage comme ça, voilà, moi je trouve que c'était un challenge complètement dingue, et ça me plaisait beaucoup. Mais au-delà du pari technique, artistique, il y avait quand même un autre chose qui m'interpellait dans cette histoire, c'est l'inversion, en fait, du manque. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps à qui manque la main, c'est la main à qui manque le corps. Et à partir de là, ça raconte complètement autre chose. C'est plus le membre fantôme ou ces choses-là qu'on connaît bien. Non, c'est parce qu'en fait, la main, métaphoriquement, je pense que j'ai dû le ressentir et le pressentir comme ça. C'est la mémoire de l'enfance. Et c'est comment la mémoire nous joue des tours, en quelque sorte, en nous harcelant, en venant frapper à notre porte, volontairement ou pas. Et comment on travaille en fait avec ce harcèlement en quelque sorte de la mémoire. Et c'est ça que raconte la main, qui peut être destructeur ou créateur. Et je pense que la trajectoire de Naoufel, le personnage, elle raconte ça. Est-ce que tu crois au destin? Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. Vous savez peut-être que dans l'histoire de l'animation occidentale, contrairement aux japonais, l'animation ne s'attaque qu'à des sujets merveilleux, fantastiques, voire plus récemment politiques, mais jamais au quotidien, jamais à l'intime. C'est vraiment une dimension en quelque sorte l'animation s'est interdite jusqu'à maintenant. Et ça, avec un garçon comme Jérémy, et son sens du découpage, son rapport à l'incarnation des personnages et sa façon d'aller fouiller l'intime des personnages, il y avait tout d'un coup l'opportunité de montrer que l'animation était capable aussi, et de façon avec une maestria incroyable, d'aller chercher ce genre de sujet. Le poids de la technologie est très très important aujourd'hui dans l'animation. Donc un garçon comme Jérémy, il est exceptionnel parce que c'est un bidouilleur de génie. Donc il va chercher les nouveaux outils, il va chercher ces choses qu'il va mettre au service de ses ambitions de mise en scène. Et la maîtrise de la technique permet d'élargir son propre champ en termes de mise en scène, son propre champ artistique. Et voilà, moi je suis très fermement convaincu, ça je le savais, et quand j'ai ce roman, j'ai passé des mois et des mois à chercher un réalisateur auquel je pensais pouvoir confier quelque chose comme ça, et c'était assez, pour moi, très très difficile, et c'est quand j'ai découvert Schizéine, le court-métrage de Jérémy Clapin, que je me suis dit, bon sang, voilà, là, il y en a un qui peut s'emparer de ce sujet, parce qu'il y a une affinité dans l'univers. Bon, je pense que je ne pouvais pas savoir qu'il emmènerait le film si loin, au-delà de toutes mes attentes. Et le film a en fait, en quelque sorte, bénéficié de sa difficulté. Parce que comme personne ne comprenait ce qu'on voulait faire, qu'on a passé des années à essayer de trouver des financements qu'on n'a pas trouvé, donc on y a été tout seul finalement, ou avec très peu de partenaires en tout cas. Finalement, il a bénéficié de ça parce qu'on a eu énormément de temps, presque anormalement du temps avec Jérémy, pour chercher, fouiller, développer. Entre l'écriture, le storyboard et l'animatique, on y a passé quasiment 4 ans avant de lancer la fabrication proprement dite.